les violences et les conflits armés. Question de vie ou de mort. Quand la circulation des ambulances est entravée. Il est question de vie ou de quand mort. Quand la violence et menace contre les malades et les blessés. Question de vie ou de mort. Vraiment. Quelle que soit la situation et quelle que soit ta colère, garde dans l'esprit qu'il y a des choses à ne pas faire. Sans prendre au personnel et aux structures sanitaires. Et ta poisserie et cela même en temps de guerre. Touche pas aux hôpitaux, aux pharmacies, aux dispensaires, ainsi qu'aux véhicules de secours, qu'ils soient civils ou militaires. Tu sais, la Croix-Rouge est un emblème prioritaire. Ne fais rien pour empêcher que son action puisse se faire. Il est question de vie ou de mort. Quand éclatent les violences et les conflits armés. Question de vie ou de mort. La circulation des ambulances est entravée. Il est question de vie ou de quand il y a violence et menace contre les malades et les blessés. Question de vie ou de mort. Vraiment. Chaque seconde gagnée doit permettre de sauver une vie. Faciliter l'accès aux soins doit être notre nouveau défi. Nous sommes tous concernés car nul n'est à l'abri d'une blessure ou d'une maladie en période de conflit. Que les malades et les blessés soient sur le même pied d'égalité. Face à la souffrance et la détresse, on ne doit jamais discriminer. Yaman, car il est question de vie ou de mort. Question de vie ou de mort. Il est question de vie ou de mort. Question de vie ou de mort. De protéger la vie des blessés. Choisis le respect des civils victimisés. Où que tu sois, qui que tu sois, tu as un rôle à jouer pour le bénéfice de l'humanité. As-tu seulement conscience que nul n'est à l'abri? Choisis la dignité, la santé, la vie. Il est question de vie ou de mort. Éclate les violences et les conflits armés. Question de vie ou de mort. La circulation des ambulances est entravée. Il est question de vie ou de quand mort. Quand il y a violence et menace contre les malades et les blessés. Question de vie ou de quand mort. Quand il y a violence et menace contre le personnel de santé. Il est question de vie ou de mort. Éclate les violences et les conflits armés.